Toujours dans le coin ? Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va ? Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao ! Ok, Ashley. Louis a dit que... Je sais. Je suppose qu'on devrait y aller. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique avec l'épisode 12 de Resident Evil 4, évidemment, remake. Plongez-vous dans le noir, 60 FPS et 4K. N'oubliez pas le petit j'aime, on se fait plaisir, voilà. J'espère que vous allez bien. Profitez, parce que la qualité offerte est vraiment une qualité optimum que j'essaye toujours de vous fournir. Et j'espère que vous kiffez de fou cette aventure. Évidemment, on est parti pour le deuxième tiers du jeu avec le château. Et on va essayer de tout fouiller pour ne rien louper. Ça, toi-même, tu sais. Wow. Ok, j'étais pas prêt à ça. On a le vendeur ici. Hop, ça en casse, très bien. On a quoi ? Superbe, Sugoi. Ça, hop, très bien. Oh ! Voilà ! Boussole ancienne, j'aime bien. N'oubliez pas, évidemment, qu'un j'aime, qu'un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Hein, ça, je pense que vous le savez. J'ai pas besoin de vous le répéter. Et que, voilà, chaque petit geste est important pour mettre en avant... Évidemment, cette vidéo, astuce du marchand, le calibre qu'il te faut. Face à un tel choix de pistolet, il y a de quoi être un peu perdu. Pour t'aider, voici 4 valeurs sûres et leurs points forts. Le Punisher, donc, lui, il est capable de traverser des gens. Le Red 9, qu'on a actuellement, le pistolet est doté d'une grande puissance, mais son recul est très important. Il est possible d'atténuer avec l'équipement de la crosse qu'on a déjà. Le Black Tail et le Matilda, qui est en rupture de stock. Voilà. Matilda qui est pas ouf et le Black Tail qui est vraiment cool, mais pas mieux que le Red 9. Donc on finira notre aventure avec le Red 9. Allez, on va vendre des petits bails. Toi-même, tu sais, la boussole déjà. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Voilà, ça on peut vendre. Une affaire bien. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Waouh, fusil à tir rapide. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Dégâts x3 sur les points faibles. Le Stingray. Le Broken Butterfly. Très bien. Qui est un magnum offre spéciale. Ça me paraît pas mal. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur. La puissance, c'est bien, le Deagle. Hein, mais le rechargement, ça compte aussi. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Voilà. Le client idéal. Alors, ticket d'amélioration spéciale. À usage qui donne à l'amélioration spéciale d'une arme, quel que soit le niveau. Fait souffrir. What? C'est le poids des années. Ça qui a l'air se incroyable. Fait sentir, je suppose. Mallette en cuir, très bien. Et là, pour seulement 3, on a ça. Très bien. Écoutez, le Red 9, il est maxé. Là, ça, c'est maxé. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Ok. Qu'elle revient quand on est parti. Donc. Hop. Voilà. Ensuite. Voilà. Et. Voilà. Très bien. On peut même carrément commencer par save. Vous savez que ça commence toujours par une petite save par ici. Et on est parti. Pour le début de cet épisode 12, vous avez de la chance, pas de stand de tir pour l'instant. Vous l'aurez compris, évidemment. Là, on va voir des nouveaux types et tout. Hein. Ça va swinguer, je préfère vous le dire. D'ailleurs, en termes de swing, ça, on va se le coller. Bougez pas. Mettre en raccourci. Bah, en vrai, voilà, hein, Magnum. Magnum plus. Ça me paraît pas mal. Ok. Y'a rien, Ashley, derrière? Y'a rien. Ok, là, y'a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il sent? Chut! Parle pas trop fort. Ah, qu'est-ce qu'ils sont? Dans une église, tu veux faire quoi? Enfin, dans un château-église.
forcément, tu commences. Ok, il y a des bails là. Hein. Il y a des bails. Hein. Éloigne-toi. Ah! Je ne sais pas! Je ne sais pas, mais c'est très très énervé! Wow. Ouais, il s'est transformé direct, hein! Il s'est transformé direct, hein! Waouh! Très bien! Ok. Eh ben, l'ambiance, elle est bizarre ici, hein. L'ambiance, elle est chelou de fou. Ah ok. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Ça, on va l'utiliser. Non. Ensuite. Ça. 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 Et. Ça. Là. Et ça. Là. Et voilà, comme ça on les a. J'ai hâte d'avoir plus grande poche, si je puis me permettre. Munitions de fusil, de péteuse. Allez, on va prendre la péteuse, la fameuse. Et ça, munitions de pistolèche. Allez, on est pas mal comme ça. Ça fait un petit peu de place. Hâte d'avoir une un peu plus grande mallette encore une fois. Toi-même, tu sais. Ok. Bien ça. Bien, bien, bien. Ok. On est bon. Attends, quoi? J'ai l'impression d'avoir entendu un truc qui se penche. J'ai loupé un objet ou autre? Viens. Voilà, okay. Reviens par... Vache. Muerte. Ouais, muerte, muerte. Merci, au revoir. Ok. Ouah, je me suis chié dessus. Suivant. Ok. On y va. Pour l'instant, personne se transforme. Ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air même d'être une plutôt très bonne ambiance. Je vois aucun trésor s'afficher. Ça sent pas bon, cette chose. Quoi ? Ok. Ouais, c'était évident. C'était évident ! Wouah ! Ok, ça joue comme ça. Ça joue Redos. Attendez pas à un accueil aussi chaleureux. Ok. Ashley. Ok. J'aurais dû soigner mon cut. Ashley, est-ce que ça va? Ouais. Merci. Oh non! Oh non! Oh là. Wouah! Oh non, non, non.
La vache, là on prend vraiment cher. Là on prend vraiment cher. Oh les bâtards. Donc ils peuvent la viser quand elle est à terre. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils pouvaient forcer. Quelle bande d'enfoirés. Allez. Quelle bande d'enfoirés. On va essayer de s'occuper de tout le monde. C'est-à-dire des gros bidons là à côté des... Oh là là! Ok. Attendez pas à un accueil aussi chaleureux. Ok. Oh là là. Ashley! Que décès? Non! Ça va. Allez, viens, Ashley. Ça, c'est fait. Ashley! Démonios! Ok. Ok. Quoi? Non. On y va. Ça marche. Ashley. Comment ça? Oh non. Ça. Oh mais c'est pas vrai. Ok. Ça va? Oh là là. Merci. De rien. C'est bon, je l'ai. Ok. Au devant. Tu pourrais prévenir au moins. C'est bon. Oh non, mais c'est pas bon. Je croyais qu'il était mort. Mais comment ça? Comment ça? Éloigne-toi. Attends! Comment ça, attends? Mon ref, allez, prends là ta balle. Allez. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Allez, reviens. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Ok. Trop fort. Ouais, vas-y, c'est trop, frère. Vas-y. Bon, allez, frère. Tu l'as eu ? Voilà. Ah ouais, mais j'ai perdu 40 000 munes là. Putain, vos conneries. Ok. Ah, d'accord, tant que j'ai pas la carte en vrai, faut pas vraiment savoir ce qui se passe. Hein. Ah! Encore une fois! Ah ouais, je préfère.
Parfait. Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Parfait. C'est ouvert. Allez. Ok. 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 Ça va? Ouais. Y'a un bâillon. J'ai rien. Il me le faut. Là, j'en ai eu 3. Y'a un bâillon en bas, il me le faut. Ok, on peut passer par ici, je crois, c'est ça, si je ne m'abuse. Ensuite, on peut passer par ici, sûrement. Très bien. Non. Très, très bien. Et là. Ok. Très bien. Et là, peut-être un médaillon bleu. On va aller faire demi-tour. Hein. Vous savez qu'il se passe des choses encore derrière. Évidemment. Ça serait dommage de rentrer tout de suite. Ok. Alors, c'est fanatique. On t'accrochait des médaillons bleus tout autour du château. C'est une vraie pollution visuelle. Que quelqu'un nous en débarrasse. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, on sait maintenant où ils sont. Là, il n'y a rien. Déjà, on va descendre parce que d'en bas, on voit des choses. Je vois des médaillons partout. Voilà. Hop, ça, c'est cool. Ça, c'est pour Bibi aussi. Non, me dis pas que je peux plus l'avoir. Attendez. Si... Si. Très bien. Très bien. Là, c'est censé être quelque part ici. Ok. Mais non, mais je suis un fou, moi. C'est totalement en piémontaise. Voilà. Très bien. Et le last... Je viens d'où, moi? Le last était tout en haut. Ah, putain. Attends, il faut... Oh, si j'arrive à monter là, les amis, je peux me régaler. Mais alors, je ne vois pas comment. Et là... Tiens. Encore what? Par ici peut-être? Aha! On va aller check en haut, peut-être à l'aide du canon, je ne sais pas. Bon, déjà là il y a un bail. Déjà là-haut il y a un bail, ok? Et ça, par contre... Ah, c'est fermé. Ok. Ok. Attendez. Sur un malentendu. Sur un autre malentendu. Regarde pour toi, ma biche. Là, je ne vois pas. Ok. Je vois pas comment je peux aller là.
et je vois encore moins. Ok. Ouais, c'est de l'autre côté, mais je ne vois réellement pas comment y aller. Et pourtant, l'astuce est forcément très simple. Hein. L'astuce est toujours au même endroit. Je vais redescendre une dernière fois en bas. Et après, on va pas insister éternellement. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Ok, là, on a un bail. Et si je reviens en arrière à l'aide du snipers, est-ce qu'on a quelque chose à faire d'intéressant? Il y a moyen. Ok, là il n'y a rien à faire en tout cas. Je sais pas comment on peut ouvrir cette... Là, il n'y a rien à faire non plus. Je sais pas comment on peut ouvrir cette porte. Quelqu'un sait? Et là, on revient totalement en arrière. Alors là, c'est une énigme. C'est une énigme. Putain, mais... Ça a l'air profond, ça, hein. Ça a l'air profond de fou, hein. Ça. Ok. Ok, ok, et ça. Bon, allez, c'est pas grave. Là, je la saisis pas, là. Je saisis pas encore toute l'importance de ce qu'on peut faire, pour le coup. Putain, en plus, il y a un truc qui se balance. Qui fait comme un poids. Bon, écoutez, je vous laisse me dire en commentaire, les amis. Je vous laisse me dire en commentaire. Et on en parlera plus tard. On essaiera de revenir. Je crois qu'on peut revenir. Je crois, j'ose espérer qu'on puisse revenir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ok. Allez, viens, Bubiche. Ouais, on pourra revenir, ok. Yo, mon ref. Je vois totalement cet endroit. Non. Hop. Bien. Bien. Bon, c'est vieux, mais... Allez, vendre. De nouveau pour toi, l'ami. Les gars, on va vendre ce que je n'utilise pas. Je sais que c'est grave utile. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Ok. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. C'est quoi ça? Lyon avec le fusil 1000? Non mais non, je suis un fou. C'est la crosse. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre... Reviens. Attends. Ok. En vrai de vrai. Là, je suis en train de réfléchir à un truc de fou. Mais... Il n'y aurait pas une petite place pour l'arbalète? Ça commence à faire beaucoup d'armes, par contre. Hein. On est bien d'accord. Hein. Quand tu... Acheter. J'ai mis la main sur quelques raretés étranges. Fusil anti-émeute. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Une affaire bien conclue. Merci. Ah, ça c'est un sacré fusil, l'ami. Ouais. Fusil anti-émeute, mon ref. C'est là que ça va chier. C'est là que ça va chier. La loi, ça va être moi, mon ref.
Et ok. Bienvenue. Je tiens à modifier juste un petit truc. Rien de plus facile. Reviens quand tu veux, surtout. Allez, on est reparti, les potes. Ok. Attends, je vais juste voir que je puisse bien ressortir. Je pourrais bien ressortir encore une fois. On est bon, on est bien. J'ose espérer qu'on soit bien. Soyez les bienvenus dans mon château. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste ? Moi ? Je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça, ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle reste avec moi. Oh. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin d'elle. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître, sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas ? Jamais ! C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. Qu'il était accompagné, le man. Léon. T'éloigne pas. Je pense que tu peux t'éloigner quand même. Ah. Désolé, je dis c'est. Bien wesh, c'est très bien joué ça. Ok. Ok. Bien. Bien, 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 bien. On a un petit peu eu chaud, mais it's okay, guys. Ça suffit pour survivre. Allez. Bon, ils veulent pas me donner, mais ils m'ont donné quand même de quoi avoir... Est-ce que ça va ? Ouais, on survit, bibiche. On survit à tout ce qui peut nous arriver. Non. Ça, c'est embêtant. Il faut une sorte de clé, c'est ça ? Est-ce que je peux vendre la clé de l'hôtel ? J'en ai bien l'impression. Ah, quoique. Ah, il y a peut-être un bail. Ok. Ah, il y a une... Ok, il y a un système d'hôtel un peu différent. Il va falloir que je trouve cette clé qui peut être très importante pour la suite des événements. Ah ouais, j'ai carrément rien là, les gars. C'est au charbon, ça. Bien. Vas-y, monte. Ok. Monte, mais va pas canner, hein. Pas le moment de déconner, hein. Je te le dis, ma petite Ashley. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Ah oui, d'accord, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ? D'accord. C'est ouvert. Ok, merci. Bibiche. Hop. Très bien. Ah oui, il y aura même un passage où... Ah ouais, ok, ok. Oh, des munitions trop bien planquées, quoi. Oh là là, ok. Je suppose qu'il faudra l'acheter, hein, évidemment, cette nouvelle carte. Un flacon de parfum chic. Le fric, c'est chic. Très bien. Très, très bien. Ok. Ok, je peux peut-être grailler un œuf. Qui vole un bœuf, mange un œuf. Bien. C'est mieux que rien. Ah. Ah non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop pour elle. Ok. On va
va lever un peu les yeux et on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous et j'ai hâte d'avoir les réponses pour le dernier médaillon bleu. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien.